va à Chamonix? On s'en allait à Chamonix. La Mecque. La montagne. En France, en Europe aussi. Je suis allé à quelques reprises, mais je pense que cette fois-là, ça va être un peu spectaculaire. On va skier un petit peu plus, on va visiter avec des bons skieurs, avec Jean-Luc et Sam. Ça va être intéressant pour moi. Tu t'attends à quoi? Je m'attends à... La dernière fois que je suis allé là-bas, c'est vraiment de la haute montagne. C'est pas le centre de ski conventionnel qu'on voit tous les jours. D'amis, moniteurs de ski, ainsi de suite. C'est guide de montagne, hors-piste, crevasse. Ça prend des fois un skieur un petit peu plus audacieux normalement pour aller là-bas. Mais les points de vue sont incroyables, surtout la vallée blanche ou même du fait d'aller, si on a une chance d'aller à Courmayeur, c'est vraiment une place incroyable, la Manticamingue, c'est côté intéressant de voir qu'on va aller rejoindre un peu l'hiver, puis aussi d'aller skier avec des gens passionnés qui cultivent un peu l'esprit du voyage, de l'aventure. Et surtout, c'est des professionnels, comme chez Jean-Ron, c'est vraiment des gens professionnels. Ils développent de nouveaux territoires tout le temps. Le Japon, Jean-Luc fait un bon job au Japon. Même nous, on est vraiment inspirés d'aller le côtoyer un peu. Pourquoi ils ont tant d'habilité, puis comment ils s'y prennent pour planifier leur voyage. Et puis aussi, ça va être intéressant de voir comment tout est articulé en entour d'un voyage de ski. Puis aussi de voir pourquoi ils sont si bons que ça. C'est les numéros un dans les voyages de ski, surtout en Europe et puis au Utah puis au Japon. On va apprendre beaucoup de plus. On se voit à l'aéroport. On s'en voit à l'aéroport, je pense. Ciao, guys. Ici, il y avait 284 enfants avec d'autres dans l'avion. Et Swiss Air, une compagnie qui a beaucoup de classe, nous a averti que pour quelques dollars, on pouvait aller en première classe. Sans aucune hésitation de ma part ni de mon confrère Samuel, on est en première classe et on a déjà commencé à profiter de tous les bienfaits des gens riches et célèbres. Fait que nous voici au lounge première classe de Swiss Air. Cheers!